Louis est devenu prince à sa naissance grâce à son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II. Le prince Louis n'aurait pas pu recevoir son titre de HRH à sa naissance sans l'aide de son arrière-grand-mère, a-t-on rapporté. Étant l'arrière-petit-fils du monarque, l'enfant de 4 ans n'a pas été automatiquement autorisé à obtenir le titre royal tant convoité. Mais feu la reine Élisabeth II est intervenue pour renverser une règle centenaire, et juste comme ça, son arrière-petit-fils est devenu prince. La règle remonte à 1917 lorsque le roi George V a publié de nouvelles directives sur les membres de la famille royale qui pouvaient avoir des titres et qui étaient trop loin dans la ligne de succession pour se qualifier. Il a décrété que tous les enfants du souverain, ainsi que tous les petits-enfants nés de la lignée masculine, deviendraient automatiquement des princes ou des princesses. Cependant, les arrière-petits-enfants ont été omis de la liste. L'échappatoire a causé une certaine confusion à la naissance de George, car bien qu'il soit notre futur roi, il n'avait pas automatiquement droit au titre. Mais la reine est intervenue et a confirmé que George deviendrait prince. Avec son autorité de monarque, Sa Majesté a décidé d'étendre le changement à tous les enfants de Kate et William. Sans son intervention, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis, 4 ans, auraient dû attendre l'accession au trône du roi Charles pour enfin obtenir leur titre. Maintenant, des questions subsistent sur les deux autres petits-enfants de Charles, Archie et Lilibet Mountbatten-Windsor, dont les titres ont encore été mis à jour sur le site web de la famille royale. Depuis que le roi Charles est monté sur le trône début septembre, les enfants de Meghan et Harry n'ont pas reçu leur style permanent de RHS. Le retard aurait exaspéré Meghan et Harry, a déclaré un initié royal au Sun. La décision des Sussex de se retirer de leur fonction royale signifie que Archie et Lilibet ne pourront pas utiliser le même titre que les enfants du prince et de la princesse de Galles, a indiqué la source. Toa tashi hanata o